vraiment toi tu n'étais pas encore né. Il m'a sauvé, oh. Les sœurs répondaient, il m'a sauvé, oh, oh, oh. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Amen. Nous sommes dans une église vivante.
La paix de l'Éternel est une église vivante. Toi, tu es une église vivante. Nous sommes une église vivante. Quand j'ai entendu le bruit des tracteurs qui sont en train de tourner la terre. Vous savez, quand la terre elle est aride, elle ne peut pas recevoir la semence. Mais quand on tourne la terre, fais un peu comme ça. On tourne la terre. J'entends le bruit des tracteurs. Ce sont des tracteurs spirituels qui sont en train de tourner la terre dans ta vie. Je veux que tu comprennes ce qui se passe, bien-aimé. Nous sommes dans un moment prophétique. Et gloire à Dieu parce que tout le monde est debout pour recevoir la prophétie de Dieu, pour recevoir le moment de bénédiction. Moment de bénédiction. Moment de bénédiction. Tant de bénédiction. Tu veux que je te dise, si à côté, personne ne fait comme ça, tant pis, c'est pour toi. Toi-même, tu tournes ta tête pour recevoir la semence de Dieu. Nous sommes dans une église vivante. La paix de l'Éternel est une église prophétique. Alors on ouvre sa bouche, on ouvre sa main et on tourne la terre parce que les anges de Dieu sont en train de s'aimer. S'aimer la fécondité, s'aimer les diplômes, s'aimer les succès, s'aimer les mariages, s'aimer les permis de conduire. Je suis en train de prophétiser. La terre est en train de se tourner. Alors, la semence de mariage est en train de rentrer. La semence de la connaissance et de la parole de Dieu. Cherche premièrement les royaumes de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. La terre est en train de se tourner. C'est le diplôme, c'est le ministère, c'est le ministère, le ministère, le ministère, le ministère. La gloire, la puissance, la joie, la victoire, la terre est en train de se tourner. Si ton voisin, ta voisine ne tourne pas la terre, tant pis pour lui, hein? Tant pis pour elle. Donc tourne la tête. Parce que c'est ta saison. Qui veut rentrer dans sa saison? Là où je parle. Qui veut rentrer? Moi je ne sais pas dans quelle saison tu veux rentrer. Je connais moi dans quelle saison je vais rentrer avec l'église. En tout cas, si tu veux savoir dans quelle saison je veux rentrer, je veux rentrer dans la saison d'abondance. Je veux rentrer. Je suis en train de rentrer dans une saison d'abondance avec l'église qui est là, présente au nom de c'est ma saison. Tu veux voir comment on dansait nous? 90 agneaux. C'est ma saison. Avec les deux mains. La fois je me couche maintenant. Qui peut faire ça? Parce que je me rendais compte que je rentrais dans ma saison. Non, tu n'as pas compris. Écoute ça. Je suis venu en France, moi. Je me pose un peu la question. En Angola, on m'a dit, mais pourquoi tu es parti en France? Et j'ai répondu, je suis parti en France parce que ma femme commençait à avoir des problèmes de stérilité. J'ai dit, je vais en France pour aller voir des médecins français. Ce qui est étonnant, quand j'arrive en France, je reçois la parole de Dieu. Je reçois la parole de Dieu. Pedro n'avait pas de petit frère. Le fils Pedro n'avait pas de petit frère. Et moi je rentre dans une église. J'entends ici. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Aleluya, aleluya, aleluya.
je rentre dans une église et on chante c'est ma saison. Moi je dis c'est ma saison pour que ma femme ait des enfants, pas un seul enfant. Oh, non, tu n'as pas compris, moi j'ai compris ce que j'ai dit. Je suis venu en France parce que ma femme est en train de devenir stérile. Maintenant j'entends la parole qui dit c'est ma saison. C'est-à-dire que ma femme va avoir des enfants. Encore des enfants. J'aime cette femme. Qui veut écouter? Qui veut écouter? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma saison. Arrive dans le temple, il y a une femme dans la Bible qu'on appelle Anne. Il y a quelqu'un qui s'appelle Anne ici. Il y a une soeur qui s'appelle Anne. Qui s'appelle Anne ici? Lève la main. Il y a quelqu'un qui s'appelle Anne. Hein? Toutes les soeurs qui sont ici, à partir de maintenant, vous vous appelez Anne. Toutes les soeurs qui sont ici, même des jeunes de 1 an, même si l'on a, tu t'appelles maintenant Anne. Au nom de Jésus. Alors Anne, Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur. Je t'assure que si tu me donnes un enfant, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Le rasoir ne passera pas sur sa barbe. Je vais te le consacrer. Et le sacrificateur a dit, femme, puisque tu es ivre, non pas de vin, mais du Saint-Esprit. Si tu arrives ici, deviens ivre. Hein? Amen. Nous sommes une église vivante. S'il faut coucher par terre, couche-toi par terre. En fait, deviens ivre ici. Mais pas ivre du vin, ivre du Saint-Esprit. Amen. J'ai entendu, c'est ma saison. Oh Seigneur, donne-moi des enfants, Seigneur. Je vais te les consacrer. C'était ma prière, hein? À l'intérieur du temple. Qui croit que c'est ta saison? Amen. Parce qu'en ce moment-là, Dieu était en train de retourner le plan. Le plan de la stérilité à la fécondité. Dieu était en train de retourner. Parce que moi, j'avais confessé. Seigneur, mon Dieu, donne-moi des enfants. Je vais te les consacrer. C'est ainsi que quelques temps après, le bébé Prosper est arrivé au monde. Jésus.
rentre, rentre dans les plans de Dieu. Peu importe le temps passé, si le diable avait volé le temps de bénédiction, le temps de gloire dans ta vie, au nom puissant de Jésus, rentre dans ta saison, rentre dans ta saison, rentre dans les plans de Dieu. Parce que tous les projets malsains du malin sont sous mes pieds, au nom puissant de Jésus. Reçois la vie, reçois la gloire, reçois la joie, reçois la connaissance de la parole. Et que le temps du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Je réveille la gloire de Dieu dans ta vie. Je réveille la puissance de Dieu dans ta vie. Je réveille tout ce qui dormait dans ta vie. Je suis en train de réveiller le soleil. Le soleil symbolise la vie dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Et nous acclamons très fort. Gloire à Dieu. Josué. Josué chapitre 10, au verset 13. Qu'est-ce qui est écrit? Nous lisons. Sœur Pauline. La Bible déclare: Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur affligea une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Aaron et leur porta des coups jusqu'à Azeka et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël, et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Aaron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azeka, et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sur les coups d'épée des Israélites. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et il ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Verset 14. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Parole du Seigneur, nous acclamons très fort. Nous prenons place. Et moi, je lis l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, et le verset 16. Si on peut m'afficher ce texte, Éphésiens, chapitre 5. Et notre Église est appelée de s'adapter à cette vitesse à laquelle Dieu nous conduit, tout simplement pour ne pas être dépassé par les événements. Donc si tu étais dans cette église il y a une semaine, quand tu arrives aujourd'hui, que tu trouves que nous avons changé, c'est-à-dire nous nous sommes améliorés, ne t'étonne pas. Tout simplement parce que nous sommes dans une course effrénée. C'est-à-dire nous sommes dans une course où nous ne devons pas nous arrêter. Non seulement nous ne voulons pas nous arrêter, mais nous voulons aller beaucoup plus vite que les événements. Nous avons envie d'aller beaucoup plus vite que le temps. Parce que nous sommes une église vivante. Quelqu'un dit amen. Nous ne sommes pas dans une église où tout est toujours pareil. C'est toujours le vieux banc. Ça sent mauvais. Non. Quand on arrive à la paix de l'Éternel, tout est nouveau. Amen. Par exemple, il va falloir qu'on mette une nouvelle peinture blanche. Dimanche prochain, frère Victor, organise-toi, je te vois, tu es là. Organise-toi avec ton équipe. Cherche-moi par tout le moyen. Mets-moi une nouvelle peinture blanche ici. Afin que ça vibre à la paix de l'Éternel. Afin que tout soit neuf à la paix de l'Éternel. Quand on arrive ici, il faut qu'on trouve, ah, c'est beau. Lavez-moi ici avec du savon bien propre. Quand on arrive ici, il faut qu'on trouve que ça brille. Oh, quelqu'un dit amen. Amen. Il
fait le feu. Trouve-moi des bons produits pour faire briller cette estrade. Le dimanche prochain, il faut que ça brille. Si ça ne brille pas, on va faire les cultes dehors. Parce que je dirais non, ça n'a pas changé. Il faut que ça brille. Il faut que je trouve l'estrade en train de briller. Il faut que ce parterre, le dimanche prochain, on trouve que ça brille. Nous devons courir aussi vite que nous-mêmes. Nous avons besoin d'aller plus vite que le temps. Parce que le temps nous appartient. Et Dieu nous donne, bien-aimés, de dominer sur toute chose. Tandis que le malin a envie d'aller vite, l'Église doit aller beaucoup plus vite que le malin. Je continue de parler de la course. Et que le nom du Seigneur soit béni. Ce dimanche, je suis en train de parler de le temps dans la course. Parce que nous sommes en train de courir. Tu n'as pas remarqué que tu cours tout le temps? Tu n'as pas remarqué? Si tu ne cours pas, alors tu vas faire quoi? Le matin, tu te réveilles, tu dois courir. Dans tout ce que tu fais, tu dois courir. Il faut que tu t'organises. Si tu ne t'organises pas, eh bien, tu ne vas pas arriver. Il faut aller plus vite. Gloire à Dieu. C'est quoi la définition du temps? C'est la succession des heures, des jours, des nuits, des événements, des circonstances et l'immensité de la durée destinée à avoir une fin. C'est ce que nous disons temps. Mais pour Dieu, tandis que nous disons, j'ai envie de faire ça durant un an, Dieu dit, au lieu d'un an, moi Dieu, je peux accomplir ça en un seul jour. Amen. Toi tu dis, ah moi je veux me marier seulement en 2020. Qui sait pour Dieu, tu vas te marier avant la fin de cette année 2019. Ah, moi, j'aurai fait mon diplôme seulement l'année prochaine. C'est ce que toi, tu dis. Parce que le temps, c'est la succession des jours, des nuits et des événements et des circonstances. C'est l'immensité de la durée destinée à avoir une fin. Tu dis, moi, j'ai besoin d'avoir un contrat à durée déterminée. Et quand tu vas postuler, au lieu qu'on te donne un contrat CDD, contrat durée déterminée, on te donne un CDI. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Le temps, bien-aimé, c'est aussi une continuité indéfinie qui paraît être le milieu où se déroule la succession des existences, des vies, des événements, des phénomènes, le changement, les mouvements. Le temps, c'est aussi l'état de l'atmosphère durant un moment déterminé. Quand on dit temps, on peut dire, bon, aujourd'hui il fait froid, comme aujourd'hui il fait chaud, n'est-ce pas? Le temps d'aujourd'hui est chaud, 26, 27 degrés. Mais à un certain moment, il peut faire froid aussi. Comme il y a très peu, il a fait très très chaud. Et là, un peu chaud, un peu froid. Et dans très peu, au mois de décembre, oh, il fera très froid, il va neiger. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, s'il y a la neige dans ta vie, s'il y a un mauvais temps dans ta vie, s'il y a un moment macabre dans ta vie, au nom puissant de Jésus, je suis en train de retourner ce temps. Amen. Afin que tu rentres dans un temps chaud. Et David dira dans le psaume 108, j'ai beaucoup apprécié la version portugaise, nous l'avons vu quand nous étions en Angola. Et j'ai traduit littéralement, il est écrit, réveille-toi au soleil. Je ne savais pas qu'on peut réveiller le soleil. Donc si on peut réveiller le soleil, donc on peut réveiller tous ceux qui dorment dans ta vie. Amen. Moi, je veux réveiller tous ceux qui dorment dans ta vie. Amen. Et dans la version portugaise, il dit, réveille-toi mon cœur. Le cœur, bien-aimé, c'est le centre de tous les sentiments. Tu as compris ça? Et qu'est-ce qui dort dans ton cœur? Ce sont des projets de bonheur. Comme je vous disais le dimanche passé, le cœur d'un adolescent rêve. J'ai envie de devenir médecin un jour. Ça, c'est le cœur d'un adolescent qui parle.
Et ce matin, tout ce qui dort dans ton cœur, moi j'ai envie de le réveiller. Je veux réveiller tout le projet qui se trouve dans ton cœur. Réveille-toi au jour, réveille-toi le matin, réveille-toi au jour. Les jours symbolisent la bénédiction dans ta vie, c'est ça le jour. Parce que la nuit, on dort. Je veux réveiller tous ceux qui dorment dans ta vie. Tous ceux qui dormaient. Tous les plans de bonheur, de joie, de victoire, de paix. Je veux le réveiller aujourd'hui. Pour venir à la surface. Ça, c'est le projet que Dieu a formé, bien-aimé, dans ta vie. Et c'est le plan de notre Seigneur. Dans les textes que nous avons lus, il se passe des choses extraordinaires dans la vie du peuple d'Israël sous la conduite de Josué. Mais plus tard, dans la Nouvelle Alliance, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance constituent la Bible. Hein? C'est juste pour une question, encore une fois, des temps. Ce qui s'était passé avant et c'est ce qui s'est passé après. Que ce soit ce qui s'est passé avant ou après, tout cela a été écrit pour notre instruction. Oh, quelqu'un dit amen? Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. La loi avait été donnée à Israël et Jésus est venu pour accomplir cette loi. Et cette loi nous a été transmise par les apôtres de notre Seigneur Jésus. Parce que nous sommes la continuité de l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Oh, je crois que quelqu'un va dire amen. Nous sommes la continuité de l'œuvre de notre Seigneur. Et cette œuvre a commencé dans le jardin d'Éden. Jusqu'aujourd'hui, Dieu veut que nous retournions dans le jardin d'Éden. Parce que quand Dieu créa l'homme, Dieu voulut que l'homme vive éternellement. Mais l'homme a chuté, l'homme avait désobéi. Mais dans les plans de Dieu, comme Adam avait péché, alors Dieu a envoyé un nouvel Adam. Il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu vivant. Sens-toi bien-aimé, heureux, heureuse, parce que Dieu n'a pas changé son plan. Même si l'homme a péché, Dieu a tant aimé cet homme. Et au travers de son Fils Jésus, Dieu nous donne la vie et la vie en abondance. Acclame Dieu pour ce plan merveilleux. Alors quand Paul, prête bien attention, quand Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, cette église, mes amis, constituait autrefois d'idolâtres, des gens qui pratiquaient des sciences occultes. Quand Paul arrive dans la ville d'Éphèse, il prêche Jésus, mort et ressuscité. Amen. C'est le même Jésus que Paul a prêché. Mort, et puis enseveli. Sauf que le troisième jour, notre Seigneur est revenu à la vie. Le Seigneur l'a glorifié. Parce que si nous allons dans son tombeau, il est écrit, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Et si tu me poses la question, il est où? Je te répondrai, il est ici. Parce qu'il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et désormais, moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et j'ai toujours envie de connaître c'est quoi ce temps. Et je parle du temps aujourd'hui. Dis amen. Amen. Jusqu'à la fin des temps. Et la fin des temps pour les hommes, ça peut être un jour ou 10 ans ou 10 000 ans. Mais pour Dieu, Dieu n'a pas la même notion de temps que nous. Un jour devant Dieu vaut 1 000 ans. Et 1 000 ans pour Dieu, c'est un jour. Jusqu'à la fin des temps. Donc Jésus est mort, il est ressuscité et il est toujours là. Et il marche avec nous. Que tu voyages, que tu partes, que tu reviennes, tu pars avec lui, je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée. Et moi je dis, je serai avec toi tout le temps. Et c'est ce qu'il a dit à Josué. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc dans cette église d'Éphèse, autrefois constituée des idolâtres, des gens qui pratiquaient des sciences occultes. Si tu pratiques des sciences occultes, prends la décision maintenant de dire j'abandonne les sciences occultes. Ça va t'amener droit à l'enfer. Abandonne ça. Tous ceux qui pratiquent quel que soit le nom de la science occulte, abandonne ça. Acceptez Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il y a des saluts sous les cieux qu'en Christ Jésus.
non pas à un homme ou à une religion ou à une pratique quelconque. La vie se trouve en Jésus. Le Fils de Dieu vivant, le seul mort et ressuscité. Il n'y a que Jésus. Personne d'autre n'a accepté de mourir sur la croix pour que nous ayons, pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Et cet homme qui a accepté de mourir pour que tu aies la vie s'appelle Jésus. Si tu pratiques une science occulte quelconque, je t'adjure, au nom de Jésus, abandonne ça. Crois en Jésus. S'il y a lieu qu'on organise une séance de baptême, exclusivement pour toi, nous le ferons. Pour te faire rentrer dans les royaumes des cieux. Alors ce peuple bien-aimé, idolâtre autrefois, qui avait accepté Jésus, tout allait très bien. Mais après, ils ont commencé à se comporter comme tout le monde, à devenir des colériques, à devenir des débauchés, à dire des gros mots dans leur bouche. Et Paul va écrire une lettre en leur disant, abandonnez ces pratiques. Parce que les temps sont très mauvais. Tandis que tu dis, oh, moi j'ai tout le temps. Oh, moi j'ai tout le temps pour changer. Oh, de toutes les façons, j'ai tout le temps quoi pour servir Dieu. Oh, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Oh, j'ai 20 ans, je suis encore jeune. Oh, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps, les temps appartiennent à Dieu. Je t'assure que ça va trop vite. Hier à la maison, on parlait d'une dame qui se trouve à Vienne, en Autriche. Et c'est nous qui avions négocié son mariage. Parce que nous, nous négocions aussi le mariage. Oui, maman, nous négocions le mariage. Oh, regarde, tu t'étonnes. Mais qui est-ce qui a négocié le mariage d'Isaac? C'est son père. Oh, dis amen. Et qui est-ce qui a négocié le mariage de Jacob? C'est encore son père et sa mère. Et tous ceux qui sont dans la, les patriarches, ce sont leurs parents qui ont négocié leur mariage. Et moi et maman, nous négocions bien le mariage. Et je t'assure que nous allons négocier aussi ton mariage. Oh, vous êtes étonnés. L'Église aussi doit négocier le mariage. Et pourquoi pas? J'ouvre cette grande parenthèse. Et d'ailleurs, nous aurons une réunion dans très peu de jours où nous allons préparer la jeunesse au mariage. Si l'Église ne prépare pas les gens à se marier, c'est le monde qui va le préparer. Et malheureusement, si le monde prépare, c'est au détriment de l'Église. Donc l'Église doit préparer les gens à se marier. Et c'est ça la négociation que nous faisons. Nous disons aux jeunes, mais tu vois pas, cette jeune fille, elle est belle, toi tu travailles, mais pourquoi tu ne te maries pas avec elle? Au diable. C'est aussi notre travail de le faire. On le fait très bien. Hier, moi et maman, on parlait d'un couple que nous avons négocié le mariage, ils se trouvent en Autruche. Et finalement, leur premier enfant a aujourd'hui 23 ans. Ça va trop vite. J'ai dit, mais maman, je n'ai pas vu le temps passer. Dieu est en train de préparer des grandes choses pour toi, bien-aimé. Mais profite le temps aujourd'hui. Quand Paul le dit à cette église, rachète-toi le temps. C'est-à-dire pour moi, Paul est en train de dire, courez vite et faites tout ce que Dieu attend de vous le plus vite possible. Pour répondre à ce que Dieu attend de l'église. Pour que tu rentres dans le plan de Dieu. Vite. Et je t'assure que si tu le fais, le nom du Seigneur sera glorifié. Quelqu'un dit Amen très fort. L'église d'Éphèse a commencé à sombrer. Alors Paul écrit une lettre en leur disant, courez vite et faites des actes qui vont glorifier Dieu. Abandonnez tout ce qui veut, tout ce qui peut vous faire tomber dans la géhenne. Parce que la géhenne existe. Le jugement éternel. Où il y aura du soufre. Le feu et le soufre éternel. Bien-aimé, je t'assure, il ne faut jamais, mais alors du tout, jamais souhaiter y aller dans ce monde-là. Parce qu'il n'y a que deux solutions. Ou tu vas au ciel, c'est le souhait de Dieu, ou hélas, c'est le feu éternel. Mais Dieu veut que nous y allons tous au ciel. Parce qu'au ciel, il y a de la place pour tout le monde. Tel comme
nous sommes là pour Dieu, si Jésus revient en ce moment, nous parlons. Dieu veut nous enlever tous. Il y a de la place pour tout le monde. Alors cette église a commencé à sombrer dans des choses et quitter les mauvais chemins pour revenir dans les droits chemins que le Seigneur avait préparés. Alors je me suis posé une question. Comment faire pour courir plus vite? Que fait que le diable ne nous attrape pas? Que faut-il faire pour s'épargner des mauvais jours? Parce que les mauvais jours existent. Hein? Sache que quand tout va bien aujourd'hui, demain, ça ira un peu mal dans ta vie. Hein? Oh, tu m'entends? Amen. Moi, j'aime dire ça à l'église. Même quand tout va très bien, les mauvais jours reviendront. C'est ça, les mauvais temps. Sache que quand tu es en train de courir, tu peux aussi tomber. Hein? Amen. Surtout quand tu cours trop vite, tu peux tomber. Mais quand tu tombes, tu peux te relever. Tu m'entends? Amen. Même si tu es sali, même si tu tombes dans la boue, c'est pas grave. Tu prends tes vêtements, tu laves. Tu amènes tes vêtements au pressing et c'est bien lavé. Même si tu es blessé, ben relève-toi et tu continues la marche. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu vas arrêter la marche. Je dis à la sœur, tomber, c'est pas grave. Si tu tombes, tu te relèves. Et tu marches. Même si tu es blessé, c'est pas grave. Tu m'entends? Amen. Et tout ira bien. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Comment faire pour courir plus vite que le diable? Vous savez, tandis que nous courons, le diable court aussi. C'est-à-dire, le diable veut aussi nous attraper. Tu m'entends? Amen. Toi, tu veux te marier, le diable ne veut pas que tu te maries. Toi, tu veux servir Dieu, le diable ne veut pas que tu serves Dieu. Toi, tu veux connaître la parole de Dieu, le diable ne veut pas que tu connaisses la parole de Dieu. Toi, tu as envie de venir aux enseignements le vendredi, le diable ne veut pas que tu viennes aux enseignements. Alors, comment faire, bien-aimé, pour empêcher que le plan du diable ne s'accomplisse dans ta vie? C'est pourquoi il faut venir le vendredi aux enseignements. Parce que nous sommes en train de dénoncer les plans et les projets du diable contre ta vie. Nous sommes en train de délivrer le secret. Parce que c'est de notre devoir d'informer l'Église, non seulement d'informer, de vous donner les instruments pour que vous soyez capables de combattre et de remporter la victoire sur le plan du diable. Amen. C'est de notre devoir. Donc il faut venir le vendredi aux enseignements. Comment faire pour courir plus vite que le diable et s'épargner des mauvais jours? J'ai trouvé jusqu'à présent, trois réponses. Première réponse, il faut prier sans cesse, au moins trois fois par jour. Tu m'entends? Amen. Trois fois par jour. Trois fois. Dans la tradition juive, il existe trois temps. Le matin, le midi, et le soir. Psaume 91. Tu connais le psaume 91 par cœur? Hein? Affiche-moi le psaume. Le psaume 91. Tu vas voir, on va voir trois temps pour la tradition juive. Et comme nous sommes des vrais juifs, des vrais enfants de Dieu, des vrais israélites, pour dire amen à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu leur chair. Et du sang. Ceux qui sont nés de la chair et du sang, ce sont les Israélites qui sont là. Mais ceux qui sont nés de l'Esprit, ce sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu vivant. C'est nous qui sommes les vrais enfants de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, Dieu veut que nous courions aussi vite que possible. Tu entends? Pour obtenir la couverture de Dieu. Et il faut que je réponde. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Mais quand est-ce que Dieu va te couvrir de son ombre? Verset 4. Il te couvrira. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tandis que nous courons, les diables aussi courent.
pour chercher à nous ravager. Comment faire pour aller plus vite? Qui veut savoir? Prie trois fois par jour. Oh, tu entends? Trois fois par jour. Regarde le verset 4. Il découvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Quand tu prieras trois fois par jour. Quand tu jeûneras au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Organise-toi. Si c'est le mercredi, tant mieux. Parce que c'est déjà le jour de la prière à la paix de l'Éternel. Regarde le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. C'est-à-dire que nous, tandis que nous dormons, lui, il est en train de chercher à nous causer du temps. C'est pourquoi il faut. Et cette parole, elle est esprit et vie. Et cette parole s'appelle Jésus. Cette parole a un nom. Et il faut que tu pries la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, ce ne sont pas des ablutions, mes amis. La parole, c'est Jésus transformé chair. À midi, isole-toi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. C'est-à-dire, en plein jour, le malin continue à courir pour nous causer du temps. Prie le jour. Prie le matin très tôt comme Josué. Prie le matin très tôt comme le prophète Moïse. Comme le prophète Élie et Élisée. Prie très tôt le matin. C'est ça le psaume 108, le verset 3. Verset 6 de ce psaume 91. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est-à-dire à midi, les diables continuent à courir. Amen. Si tu ne pries pas, à midi, il va te causer du tort. À midi, prie. Tu m'entends? Et c'est ce que Daniel faisait. Va lire à la maison Daniel chapitre 9. Pourquoi est-ce que tu dois prier? Tu dois prier pour recevoir des visions et la révélation de Dieu te sera accordée. Dans la prière, tu dois prier sans cesse. Premier point. Deuxième point, il faut mener une vie de sanctification. Amen. Comme Daniel. À la paix de l'Éternel, nous prêchons la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici à l'église d'Éphèse. Je vais revenir là-dessus un peu, parce qu'il est très important. Le chapitre 5, Paul, il exhorte l'église au verset, chapitre 5, verset 3. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que la débauche n'y aucune pureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous devons courir vite, racheter le temps, car les jours sont mauvais, car le malin, il ne veut pas du tout que toi tu rentres dans les plans de Dieu. Mais quand tu marches, bien-aimé, et tu mènes une vie de sanctification, comme Daniel arrivé à Babylone avec ses compagnons, au lieu de manger les plats et boire le vin du roi, Daniel dira non, donnez-nous seulement des légumes et nous boirons de l'eau. Et je vous assure que très peu de temps après, au moment où ils se sont présentés devant le roi, ils avaient la meilleure position, posture pour être pris et puis rentrer dans les plats de Dieu, rentrer dans la cour royale. Je suis en train de te dire que moi, je vais te faire rentrer dans la cour royale. Je vais te faire rentrer dans le plan que Dieu a préparé pour toi. Parce que c'est le souhait de notre Seigneur que tu rentres dans la cour royale. Parce que le Seigneur veut que tu avances et non pas que tu recules. Dernier point après nous prions. Comment faire pour courir plus vite que le diable et s'épargner des mauvais jours? Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Et c'est là où j'ai envie de finir en te disant, tu as besoin de marcher. Alors, mais alors, vraiment dans la crainte de Dieu.
Psaume 37, verset 10. Encore un peu de temps. Et le méchant n'est plus. C'est-à-dire, celui qui court, qui a envie de courir plus vite pour bloquer ton chemin, encore un peu de temps, il ne sera plus. Comment et quand? Quand tu auras accompli ces trois conditions. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Tu regardes tous tes ennemis qui te combattaient, toutes tes tantes, tous tes oncles qui sont contre ta vie, parce que ça existe malheureusement. Il y a des gens qui sont contre toi, voire des voisins. Ils sont contre ta vie. Tu n'as pas envie de les croiser. Mais chaque fois que tu sors, tu les rencontres. Tu les croises. Je n'aime pas rencontrer cette personne. Parce que cette personne me cause du tort. Si tu te dis aujourd'hui, je sortirai à 8h30, aussitôt sorti, tu le croises. Tu dis aujourd'hui, je sortirai plus tôt, à 7h. Tu sors à 7h, la personne est là. À 7h. Tu te dis aujourd'hui, je vais commencer mon travail l'après-midi. Tu prends ton train à 14h, sans s'attendre, la personne est là. Écoute ce que le Seigneur t'annonce. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Parce que le Seigneur aura combattu pour toi. Les misérables possèdent le pays. Et ils jouissent abondamment de la paix. Ouh, on se pose des questions. Comment eux ne prient pas? Mais apparemment, ils réussissent. Apparemment. On pense qu'ils ont des grands biens, mais ils n'ont pas la paix. Parce que la vraie paix vient de Jésus. Amen. D'ailleurs, ils sont les gens les plus tourmentés possibles. Mais c'est lui qui a la paix de Dieu. Il jouit, et puis ils posséderont le pays. Le méchant forme des projets contre les justes et il grince des dents contre lui. Mais le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Et moi je dis, car Dieu voit que le temps du malin contre ta vie est arrivé. Pas demain, aujourd'hui. Son temps est arrivé. Le Seigneur se rit du méchant. Le méchant tire le glaive, il bat de leur arc pour faire tomber les malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Tandis qu'ils préparent des mauvais projets, le plan du malin se retourne contre eux-mêmes. Amen. Et pas demain, c'est aujourd'hui que cela est en train d'arriver. Amen. Tous les plans, tous les arcs qu'ils ont battus contre toi, ils sont là où je pars, en train de se retourner contre eux-mêmes. Afin que toi tu sois libre. Amen. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné. Amen. Mieux vaut le peu de juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Amen. Ah, c'est beau la version que nous avons lue le mardi passé. Mieux vaut. Ah, je voudrais revoir cette version que je n'ai pas encore retrouvée. Mieux vaut le pain du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Puisque tu es juste aujourd'hui même, le Seigneur est en train d'exaucer tes prières. Amen. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Les jours, c'est le temps que Dieu avait préparé. Et ces jours-là, c'est aujourd'hui. Amen. Puisque tu es juste, intègre devant Dieu, aujourd'hui, Dieu va retourner. Tous les temps que le malin a volé. Normalement, pour Dieu, il fallait que toi, tu te maries déjà. Amen. Il fallait que tu portes déjà tes enfants. Il fallait que tu accompagnes tes enfants à l'école. Il fallait que le soir, à 21h, tu vas faire coucher tes enfants et tu leur chantes un petit chant. Dodo, mon petit-fils aimé, fais dodo, mon petit-fils fais dodo, ma petite fille. Mais tu n'es pas toujours rentré dans fais dodo. Tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui. Yes. Pas demain, aujourd'hui. Yes. Tu vas rentrer dans ton plan. Yes.
Tout ce temps-là, bien-aimé, si ce sont 10 ans que tu devrais rentrer, moi je rattrape ce temps. Amen. Je sais pas ce que Josué a fait, je vais m'arrêter. Josué a arrêté à Gabon. C'est merveilleux. Tiens-toi debout, bien-aimé. Le pianiste peut revenir. Alléluia. Il m'a sauvé. Je vais rentrer dans un temps prophétique. Écoute ça, bien-aimé. Josué chapitre 10, le verset 11. Comme il fuyait, qui fuyait les ennemis d'Israël? J'ai envie d'annoncer, oh, très calmement, parce que je le crois, que tes ennemis sont en train de fuir. Je le vois avec mes yeux spirituels, avec mes yeux de la foi. Je vois tous tes ennemis en train de fuir. Ils sont en train de t'étaler. Ils ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu. Parce que Dieu m'a oué, il m'a dit, non pas l'onction d'hier, mais l'onction d'aujourd'hui. Tous les ennemis, tous les adversaires de ce peuple doivent fuir pour libérer ce peuple. Pour libérer la paix de l'éternel. Pour libérer l'église. L'église, c'est toi. Oh. Je vois une église remplie de personnes, de plusieurs races. Je ne sais pas si toi tu vois ce que je vois. Mais moi, en tant que visionnaire, je suis en train de voir beaucoup de personnes à l'église, des gens de toutes les races. Parce que l'ennemi a libéré l'église. L'église, c'est toi. Je crois que tout le monde va dire gloire à Dieu. L'éternel, bien-aimé, l'a mis en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Zeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par le pierre des graines furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, par les enfants d'Israël. Au moment où je parle, bien-aimés, ils sont en train de fuir, mais alors une très grande pluie de pierres et de graines est en train de tomber sur tous les ennemis. Toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. Durant de longues années, il fallait que tu rentres dans le plan de Dieu. Mais tu n'es pas toujours rentré. Oh, je prie tout sainte de mon Père, cet esprit de mon Père. Pour Dieu, il fallait que les dons du Saint-Esprit se manifestent déjà dans ta vie. Ah, tu n'as pas compris. Je vais révéler les dons du Saint-Esprit dans ta vie. Pour Dieu, bien-aimé, il fallait que les dons spirituels, les dons d'évangélisation, les dons d'opérer des miracles. Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont les dons d'opérer des miracles. Lève un peu la main, je vais réveiller ça. Je veux le réveiller. Je vais réveiller les dons du Saint-Esprit dans ta vie. Je vais réveiller les dons du Saint-Esprit dans ta vie. Les commandos, soyez prêts. Je vais réveiller des dons. Pour Dieu, il fallait que les dons du Saint-Esprit. Ouvre les portes. Les portes de l'abondance, les portes du ciel doivent s'ouvrir dans ta vie. Ils sont déjà partis, ne t'en fais pas. Tous tes ennemis sont partis déjà. Des pierres et des grêlons se sont tombés sur tes ennemis qui fuyaient.
toi libre maintenant. Pour Dieu, il fallait que tu rentres déjà dans les plans de Dieu dans ta vie. Les plans de Dieu, c'est la manifestation de ton spirituel. Il faut que cette danse se réveille. Absolument. Absolument. Nous rentrons dans cette étape. Nous rentrons dans cette étape. Pour Dieu, il fallait que tu rentres. Pour Dieu, cette église devrait rentrer déjà dans une autre phase, mes amis. Pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons rattraper le temps perdu. Pour Dieu, il fallait que toi, tu rentres déjà dans une autre étape spirituelle. Mais aujourd'hui, je suis en train de rattraper ce temps. Parce que dans le verset 12, il est écrit de ce chapitre 10 que Josué... Tandis qu'Israël poursuivait les ennemis, Josué avait levé sa main et a dit, soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrêta. Lune, arrête-toi. Parce qu'aujourd'hui, aucun seul ennemi survivra. Afin qu'Israël rentre dans le plan de Dieu. Il fallait que tu rentres déjà, bien-aimé. Il fallait que tu rentres déjà. Prends ta main aujourd'hui. Le plan de Dieu. Amenez-le ici pour qu'on leur pose la main. Pour réveiller. Amenez-le ici. Qu'on leur pose la main pour réveiller. Réveiller. La voix de l'Esprit est en train de dire. C'est maintenant. Tu as bel et bien entendu la voix. Je ne suis pas le seul à l'entendre. Du haut de cet hôtel, la voix est en train de rétonner, de tonner fort. C'est maintenant. Amenez tous ceux qui sont sous l'onction de l'Esprit, qu'on leur impose la main. Pierre et Jean se sont rendus en Samarie. Philippe avait annoncé Jésus. Le peuple s'était converti.
Et l'église qui était restée à Jérusalem avait appris que la ville de Samarie était tombée sous le charme de l'onction de la puissance de Dieu. Et pour la complémentarité, l'église envoya Pierre et Jean. Et aussitôt arrivés, ils leur imposèrent leurs mains. C'est maintenant. Jésus, tu prospères. Rentre là. Pour ceux qui ne peuvent pas rentrer, va leur imposer là-bas. L'église doit rentrer dans une nouveauté. Nous sommes une église vivante. Ceux qui ne peuvent pas venir devant, va dans la salle. Va leur imposer la main. Pierre et Jean arrivèrent à Jérusalem et ils leur imposèrent la main. Maman. C'est maintenant. C'est maintenant. Que tu dois rentrer dans le service. Ici à ma droite, tu entends la voix et tu as dirigé le cœur à ma droite. L'Esprit est en train de te dire, c'est maintenant, que tu dois rentrer dans le service. Ciel est ouvert en abondance. En abondance. Le ciel est ouvert en abondance. Le même papa, le même père qui est avec Josué, c'est le même père qui est ici. C'est le même. Le temps est arrivé que tu rentres dans le service. C'est maintenant. Ici à ma droite, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ici à ma droite. Le ciel est ouvert. Les portes de l'abondance du ciel sont ouvertes pour que tu rentres dans le service. C'est maintenant. Il y a 30 ans, j'entends une voix qui me dit, il y a 30 ans que tu devrais rentrer dans le service. 3 fois 10. Il y a 30 ans, c'est l'âge d'entrée au ministère de Jésus. Il y a 30 ans que tu devrais rentrer dans le service. 30 ans. Le temps que tu devrais rentrer dans le ministère. Aujourd'hui, je récupère ce temps. Au nom de Jésus. C'est maintenant.